Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 13 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, ce sont les pensées positives, n'est-ce pas, pour être heureux tous les jours. Et ce matin, c'est accepter les défauts des autres. Accepter les défauts de l'autre, c'est prendre une option pour une vie à deux plus paisible et plus heureuse. Et c'est vrai que c'est en acceptant. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, hein, parce que si nous étions parfaits, nous serions des anges. Mais nous ne sommes pas des anges. Nous avons nos qualités, nos défauts, et on essaye, n'est-ce pas, eh bien, de rectifier, hein, de nos défauts. Et c'est pas toujours facile, donc accepter les défauts des autres, eh bien, c'est mettre aussi de l'eau dans son vin. Alors, aujourd'hui, j'ai pigé succulente résistance. Petit aparté, eh bien, apprécié comme plante d'appartement, les succulentes sont les championnes de la survie dans des conditions difficiles. Elles emmagasinent l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, ce qui leur permet, eh bien, de résister longtemps sans arrosage. Succulente résistance. Eh bien, pour certains d'entre vous, cette carte, elle représente peut-être des projets que vous avez à long terme. Et cette carte, elle vous dit d'avoir la ténacité et l'endurance nécessaires pour développer la résistance. Vous savez, dans les moments difficiles, eh bien, pourquoi pas puiser dans vos réserves intérieures de force mentale et physique, n'est-ce pas, pour garder, eh bien, ce sang-froid face aux crises que vous êtes amené à vivre et peut-être au chaos. Faire appel à ces ressources, eh bien, vous permet d'acquérir des compétences précieuses et vous renseigne sur vos limites. Cette énergie de cette carte parle aussi de longévité et de la volonté que les choses durent. On vous invite à fixer vos intentions sur une carrière, peut-être sur une relation ou une situation que vous aimeriez voir se prolonger. Efforcez-vous de réaliser ce qui vous tient à cœur. C'est important, hein? Telle une plante, mais oui, arrosez-vous d'amour et entourez-vous de soins. Et en dépit de tout ce que vous avez enduré jusque-là, eh bien, vous continuez de vous épanouir. Vous savez, on peut vivre le chaos, on peut vivre des difficultés. Mais dans chaque personne, nous avons des ressources cachées. Et on ne se doute même pas que nous avons ces ressources-là cachées. Et vous les avez comme moi. Moi, j'ai été puisée très très loin, dans des périodes très difficiles, dans des périodes chaotiques de ma vie. Et je pensais aussi de ne plus être apte à faire face à cette situation, à ces situations difficiles que j'ai rencontrées, à ce chaos. Eh bien, j'ai puisé dans les réserves et j'y suis parvenue. Eh bien, vous allez puiser aussi dans vos réserves et vous parviendrez à sortir la tête hors de l'eau. Ayez confiance en vous. Ayez de l'amour, vraiment. Il faut vraiment avoir de l'amour pour soi, l'amour pour les autres.
une force intérieure aussi, hein. Et puis, la chance, elle est avec vous. Si vous y croyez, si vous y pensez très fort, elle vous sourit, la chance. Et tous les efforts que vous allez faire, eh bien, ça sera profitable sur la durée. Alors pourquoi pas, pour certains d'entre vous, faire des plans pour l'avenir? C'est vraiment le bon moment. Cette carte, elle vous incite à le faire. Et tout ce que vous allez faire, eh bien, tout ce que vous allez vous efforcer à faire, à penser, ça sera salutaire pour vous. Que ça soit encore hein, dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, sentimental. Hein. Voilà. Je termine par le petit oracle des couleurs et aujourd'hui, j'ai pigé bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger et puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à demain.